Ce moment de télé vous est présenté par la municipalité de l'Ange Gardien qui vous souhaite un bon visionnement. Bonsoir tout le monde, ici Martin Perrault. Bienvenue à l'émission Le Show du Câble. Et aujourd'hui, en cette semaine pluvieuse, j'ai pas de Mathieu Daou parce que Mathieu est retourné à l'école. Donc, il travaille tellement fort de ce temps-là qu'il ne pouvait pas être avec nous ce matin. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui est ici à la TVC régulièrement, mon collègue André Soucy. Bonsoir André. Bon matin, Martin. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Malgré la pluie et c'est vrai. Il faut penser à ces gens-là là, qui sont pris dans les... C'est effrayant. Puis il annonce de la pluie toute la fin de semaine. Mm-hmm. Je compatis avec les gens. Là, qui... J'ai eu l'occasion cette semaine, dans le cadre de la campagne de financement, d'aller visiter certaines personnes, dont sur le chemin du ruisseau, dans le secteur Angers. Et j'ai vu des gens qui étaient vraiment... En tout cas, ils avaient peur, là, parce que dans leur côté, c'est le ruisseau qui arrive à partir de l'Outaouais, la rivière de l'Outaouais. Puis c'était rendu aux premières maisons au bout de la rue, là. Alors, on espère pour eux autres que ça ne se rendra pas jusque-là. En tout cas, on va le souhaiter, tout comme pour les autres personnes du chemin du fer à cheval. Il y a quelques semaines, je t'ai invité ici à l'émission pour parler de la campagne de financement de la TVC, qui se termine le 24 mai. Mm-hmm. Je voulais savoir un peu comment ça allait. Bien, c'est à moins de 3 semaines. Alors, les gens qui ne sont pas encore membres, là, on a besoin de vous autres parce qu'on vient de dépasser le chiffre de 600 membres. Il faut se rendre à 1000. On veut se rendre à 1000. On ne sait pas si on va le faire, mais de toute façon, ça veut dire que c'est les gens, c'est ceux qui sont à l'écoute présentement, qui sont peut-être pas membres. Puis ceux qui sont membres, d'inviter quelqu'un de leur famille ou de leur parenté, des amis, des voisins, à le devenir. Alors, on compte sur ces gens-là, comme ça, chaque année. Alors, il reste 3 semaines. Il faudrait qu'ils nous téléphonent, mais on aimerait bien ça, parce que c'est plaisant de voir les gens. Moi, je suis allé dans les maisons, puis toi aussi, tu l'as fait, oui, d'ailleurs, oui, le matin. Oui, avec comment... toi. Oui, bien, oui, c'est ça. J'ai bien aimé ça. Les gens sont super accueillants. Oui. Exactement. Puis là, ils nous posent des questions, puis ils nous donnent des commentaires. Alors, c'est intéressant. Puis on aimerait ça vous voir. Venez nous rendre une visite à la télévision communautaire, puis on va vous faire visiter en même temps si vous n'avez jamais vu des studios. Puis on peut rappeler peut-être comment ça fonctionne, parce que c'est un don de 10 $ ou plus. C'est ça, 10 $ ou plus. Puis les gens deviennent membres. Ils vont pouvoir voter à l'Assemblée générale annuelle, mais aussi, ils vont participer à un tirage. Alors, le 24 au matin, on va s'organiser pour faire des tirages, puis vous allez voir ça en soirée. Puis en plus, vous allez pouvoir jouer au bingo. On va avoir une partie de bingo à 5h30 le 24 mai. Alors, c'est une soirée de remerciement, en fin de compte. Et puis, il y a des beaux prix à gagner, là, des journées de rêve, fin de semaine de rêve, soirée de rêve, on a appelé ça de même. Alors, des très, très beaux prix, plus de 1000 $ en prix. Et le membership, évidemment, ça aide la télé communautaire. Exactement. Pour la production des émissions. Bien, toi, Martin, bientôt, d'ailleurs, tu auras à remplir des formulaires avec le ministère des Communications. Et puis, ça va te permettre, justement, de démontrer que la population est intéressée dans son poste communautaire. Alors, s'il vous plaît, on vous demande les prochains jours, là, faites un effort, les gens qui allaient nous regarder ce soir. Regardez autour de vous s'il n'y a pas des gens de votre famille, de vos enfants, là, les vieux membres, les anciens membres. Là, bien, peut-être que vos enfants pourraient devenir membres cette année. Alors, on compte sur vous autres là-dessus. Et je rajouterai à ça 281-8250. Exactement. 281-8250. Rapidement, tu es aussi sur l'équipe du Relais pour la vie. Ah, ben oui, on a eu une belle réunion hier soir et puis on est rendu à 17 équipes. On espère de se rendre jusqu'à 20. Et puis, je peux commencer déjà à vous dire, le 9 juin, réservez votre date, venez faire un tour sous le pont. On va avoir 2 orchestres, on va avoir de jeunes chanteuses qui vont, en plus des 2 orchestres. On a un chansonnier, on a les survivants combattants, s'il y a des gens qui veulent donner leur nom encore, c'est toujours
toujours le temps. Et puis notre président, Claude Monette, bien, invite la population à descendre sous le pont, venir faire des dons, puis venir acheter des luminaires. Alors, on aura l'occasion d'en reparler, mais réservez votre soirée du 9 juin. C'est sous le pont, ça commence à 18h. Il y a des spectacles, et puis vous allez pouvoir participer avec la vingtaine d'équipes qu'on espère avoir sur les lieux pour tenter d'enrayer la fameuse maladie du cancer. Alors, vos dons sont importants. Mais ce que je peux voir, en tout cas, c'est que tu es vraiment impliqué partout. Tu es supposé être à retraite, là, sauf que tu travailles... Bien, c'est une période intéressante, mais j'aime ça comme ça. Je rencontre beaucoup de gens. Je veux saluer les gens de résidence du Bel Âge qui sont peut-être à l'écoute, qui pourraient participer d'une certaine façon, eux autres aussi, là, parce que je suis président là-bas. Alors, c'est tout des choses que j'ai toujours fait puis que je veux continuer à faire même à ma retraite, Martin. Merci beaucoup, André, de ton implication. Bien, merci, Martin, de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Alors ce soir, à l'émission, on vous présente deux membres du groupe Arson. Également, on reçoit le conseiller municipal du district de Buckingham, Martin Lajeunesse. Nos premiers invités ce soir au show du CARB, je suis vraiment content de vous les présenter. Bien, je trouve ça important, c'est un groupe de la région. Puis on va vous montrer quelque chose tantôt à l'émission. Vous allez vraiment triper. Il y a de la qualité là-dedans. On dit qu'il y a beaucoup de talent dans la région et c'est vrai. Et j'aimerais vous présenter mes deux invités. Il y a Marie Saint-Onge. Bonsoir Marie, ça va bien? Très bien, merci toi. Oui. Et son frère Justin Saint-Onge aussi. Et on dit Juice. C'est Marie et Juice dans le groupe Arson. Alors, vous avez procédé à quelque chose d'important cette semaine. Vous avez lancé une vidéo qui s'appelle Satellites. Mais juste avant de parler du vidéo, je veux connaître un petit peu l'historique de Arson, un de vous deux. Oui, bien parfait. Arson, dans le fond, c'est un groupe qu'on a débuté en 2006. Une gang de chums, on était 6. Puis, de fil en aiguille, on a commencé à pratiquer ensemble. On a fait un premier EP qu'on a lancé en 2008, Better Late Than Never. Puis, c'est à ce moment-là qu'on a fait notre premier gros spectacle au Rockfest de Montebello. Puis, par la suite, c'est ça, on a continué à faire des albums. On a fait deux autres EP. Puis, cette semaine, on lance notre nouvelle EP appelée Satellites. Si on regarde votre historique juste avant le lancement de cette semaine, est-ce que vous avez des followers? Est-ce que vous sentez un certain appui du public? Oui, certain. Depuis, dans le fond, 2008, il y a plusieurs gens qui nous suivent depuis ce temps-là, qui nous écrivent, qui commentent nos photos, qui commentent nos vidéos, qui nous écrivent pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est certain qu'il y a une base qui est là depuis le début, qui est fidèle. Puis d'ailleurs, on veut les remercier parce que sans eux, dans le fond, les spectacles ne seraient pas remplis. C'est qu'un gros merci à tout le monde qui nous suit depuis les tout débuts. Puis cette semaine, on a senti vraiment un gros engouement. Il y a eu tellement de gens qui ont partagé les vidéos, les chansons, donc on est vraiment choyés. Moi, je veux faire un cadeau, avant qu'on continue l'entrevue, je veux faire un cadeau aux gens qui nous écoutent, parce que je veux que vous regardiez ça, mesdames et messieurs, le vidéoclip Satellites, qui a été lancé au début de la semaine, mardi. Regardez ça, puis on continue la discussion après. Send me
Alors, quand on regarde ce vidéoclip-là, je vais aller avec toi, Jules. Il y a de l'ouvrage là-dedans, là. Il y a beaucoup d'ouvrage. On a fait 4 journées de tournage. On a tourné au Defense Bunker de Carp à Ottawa. Okay. On a tourné à l'école Lorminas Gamelin. Ouais, ben, Mathé prend la relève. Ouais, ben, également, on a, c'est l'émotion. Oui, ouais, c'est exactement. Tellement touché par la belle œuvre. Non, mais ben, oui. C'était 4 journées complètes de tournage, plus d'autres petits moments aussi. Fait que, non, c'est ça, il y a eu. C'est un gros travail d'équipe. Sans toute l'équipe qu'on avait avec nous, on n'aurait jamais pu réaliser ça. On était au moins une vingtaine, 25 personnes qui ont travaillé là-dessus. Donc, non, c'est ça, sans l'apport de chacun. Il y a tellement d'éléments à penser quand on fait un vidéoclip, il y a tellement de petits détails, de petites choses à apporter. Donc, non, c'est vraiment un méga travail. Parce que moi, quand j'ai regardé le vidéo, je me suis dit, OK, c'est tout à fait comparable à ce qu'on peut voir, mettons, à Musique Plus ou à Much Music. C'est super bien fait. Vous avez-tu un gros budget? Ben, on a la chance de connaître des personnes. Ouais. C'est ça, on a la chance d'avoir quelques contacts qui nous rend le travail un peu plus facile et qui allègent un peu le budget, là. Et moi, je suis fier de dire cette petite anecdote que le réalisateur de votre clip, c'est Jean-François Joannis, qui est le frère du chanteur de votre groupe. Puis Jean-François travaille ici à la TVC, c'est un de nos réalisateurs. Je suis super fier de le dire parce que j'ai trippé quand j'ai vu ça. Puis il y a aussi d'autres personnes ici de l'équipe qui ont travaillé là-dessus. Jeanne-Sophie Adriano Laflamme qui a mis beaucoup de temps là-dessus. Elle a fait un énorme travail parce que c'est beaucoup de travail. Puis comme je vous dis, c'est vraiment impressionnant ce que vous faites. Vous voulez aller où avec tout ça? Bien là, en fait, on va avoir un lancement de spectacle qui va se faire le 20 mai au Minotaur. Donc ça, c'est la première date de notre promotion pour le EP. On va jouer également le 12 août à Alexandria au Skatefest dans les Ontariens. Puis en ce moment, ça, je suis en train d'envoyer des courriels à des promoteurs pour avoir d'autres spectacles cet été puis à l'automne. Puis en faire le plus possible les fins de semaine, les vendredis, samedis. C'est surtout ça qui fonctionne le mieux. Donc c'est vers ça qu'on s'enligne. Parce qu'avec ce vidéo-là, ça va vous faire une super belle carte de visite pour, je sais pas, approcher des compagnies, t'sais, aller plus loin dans votre projet. Oui, bien ça, on a un beau press kit qu'on a fait nous-mêmes. Puis justement, j'ai fait une belle liste de compagnies, puis de combien de disques. Puis j'ai commencé à distribuer ça, puis on va se croiser les doigts, puis espérer que quelqu'un va accrocher, puis peut-être nous donner une chance de nous aider à nous promouvoir plus que ce qu'on peut faire nous-mêmes. C'est quoi le rêve ultime avec votre groupe? Vous rêvez de quoi? Simplement de continuer à faire ça. Là, ça fait déjà une dizaine d'années qu'on enregistre des albums, qu'on fait des spectacles. Donc, simplement de continuer à faire ce qu'on aime. D'autres EP comme ça, d'autres vidéoclips, d'autres spectacles. Si vous deveniez super big à un moment donné, ça vous ferait-tu peur? Ben, c'est sûr, la célébrité, ça fait peur à tout le monde. Ouais. Parce que moi, c'est un concept que j'ai la misère à concevoir, mais pour l'instant, on n'a pas de problème avec ça. C'est ça! on vit bien à l'anonymat. Et les filles, ils trippent ces groupes musicaux, ça a l'air, j'ai entendu dire. Là. Ça se peut-tu? C'est des rumeurs qu'on pourrait possiblement confirmer. OK. Et là, il y a ça aussi qui est sorti, le EP, qui contient les chansons Living Dead, Voices, Satellites, qu'on vient de voir, In Time, puis Gates. Où est-ce que les gens peuvent avoir cet album-là? Il est disponible sur iTunes, donc vous pouvez tout simplement taper Harrison dans iTunes, il est sur Spotify, Google Play, en fait toutes les plateformes de distribution numérique, il est là partout. Puis également, il est disponible en copie physique. Au spectacle le 20 mai, on a une petite quantité de copies physiques parce qu'on sait qu'il y a encore quelques personnes qui aiment tenir l'album, ouais, entre leurs mains.
Donc, pour ces personnes-là, il va être disponible. Ça sent bon, le CD frais. Ça sent le bon plastique frais. Donc, oui, donc c'est ça, il va être disponible au spectacle, puis il va y avoir une petite quantité mise en ligne aussi. Donc, on répète que samedi, le 20 mai, au Minotaur, les gens peuvent aller vous voir là pour le lancement. Et les billets sont disponibles où? Sur le pointdevente.com. Pointdevente.com. C'est disponible en ligne. Sinon, ils sont disponibles également au magasin S3 au Promenade de l'Outaouais. Sonore Musique, rue principale à Elmer. Artopix dans le Vieux Hall, puis Vertigo Records à Ottawa. Je suis super fier d'avoir du monde comme vous, tu sais, de l'Outaouais, qui font des beaux projets comme ça. Je vous souhaite tout le succès du monde. J'espère que vous allez aller super loin avec le groupe Arson. Merci beaucoup d'avoir été avec nous autres ce soir. Merci. Et on va faire la pensée de la semaine maintenant. Quand la nature s'acharne contre nous, soyons unis et chantons notre hymne national au Canada. Ce moment de télé vous est présenté par la municipalité de l'Ange Gardien qui vous souhaite un bon visionnement. Alors, si vous allez voir le groupe Arson le 20 mai au Minotaur, il va y avoir d'autres spectacles. Il y a Kamakazi, Third Place et on a également Fractures and Outlives. And Outlines, pardon, mon anglais, j'ai un petit peu de misère, c'est pas grave. Et donc, bon spectacle si vous allez faire un tour là-bas le 20 mai. Notre prochain invité en studio, bien content de le recevoir, c'est notre conseiller ici même dans le secteur Buckingham, Martin Lajeunesse. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Bien, merci. Occupé dernièrement avec les inondations, hein, c'est oui. Épouvantable là, ce qui se passe. Oui, c'est des situations qui sont... on est pratiquement impuissants là... L'eau, elle s'infiltre partout, là. Alors, je sais que moi, je te donne un coup de main là, à remplir des sacs hier, là, avec la ville de Gatineau, là, pour aider les gens. Avez-vous discuté un petit peu avec les gens là-bas? Est-ce qu'il y a des sinistrés qui vous ont parlé un peu? Bien, à ma grande surprise, là, je faisais des sacs, là. J'ai fait à peu près 150-200 sacs. Avec les gens qui étaient présents, c'était pas des gens qui étaient affectés. Okay. C'était des gens, là, d'autres places de ville qui, eux autres, ne sont pas affectées puis qui voulaient donner un coup de main. Maintenant, où est-ce qu'on faisait les sacs? On était à la Gap, là, pas loin de Saint-Louis. Et les gens qui venaient se servir, là, il y avait une garderie, un CPE, qui venait là, chercher des sacs pour essayer de faire une... pas une digue, là, mais une forteresse pour empêcher l'eau de s'infiltrer. Ici, à Buckingham, il n'y a pas vraiment de secteur pour Buckingham même là, de toucher, non. Mais c'est plus à Masson-Angers. C'est à Masson. Masson-Angers, oui. Là, moi, j'ai toujours une distinction. Là. Oui. À ce que je sache, c'est Masson, là, M. Carrière, qui est pris là, et qui demande l'aide là, du public là, et de la ville. Là. Et est-ce qu'il y a des dossiers en ce moment du secteur Buckingham que vous avez à l'œil là, dernièrement? Là, dans un autre contexte, oui, il va y avoir, la piste multifonctionnelle là, qui s'en vient. Ça, cette année, pour le reste de la période de l'année, ça va être dans la confection là, des plans puis des études là, pour le parcours. On a eu la présentation du parcours proposé. Maintenant, ça va être les plans et devis là, qui vont être en réalisation pour commencer les travaux là, en début 2018 et en par phase. Parfait, ça. Et je voulais vous parler, en octobre passé, vous avez organisé des rencontres citoyennes oui. Parce que vous trouviez à ce moment-là que c'était important oui. De rencontrer les gens. Après ces rencontres-là, je voulais savoir, est-ce que vous avez apprécié ce moment-là et puis est-ce que ça va apporter des fruits? Oui, bien écoutez, à ces rencontres-là, c'est toujours intéressant parce que moi, je travaille pour les citoyens, puis souvent, bien, on va avoir un peu là, l'écho de est-ce qu'on est toujours sur la bonne voie. Puis à cette rencontre de citoyens-là, j'ai eu une mobilisation de citoyens là, par rapport au parc Lantier, qui était un parc à chiens, là, je pense que ouais, tout le monde oui. Sont au courant là, pour parler, le secteur. Oui. Oui. Et. À cette rencontre-là, bien, les citoyens étaient venus me rencontrer pour me parler de leur mécontentement. Et depuis ce temps-là, bien, on a fait des modifications. Je pense que l'Association des propriétaires de chiens ont fait des grands pas
malgré qu'ils ont perdu le parc Lantier, là, pour moi, ils ont fait des grands pas parce que là, on va s'en venir avec une modification du règlement pour pouvoir permettre les chiens dans la plupart des parcs de la ville de Gatineau avec une laisse, là, on parle d'une laisse restreinte là, de 2 mètres, là, un peu ce qui se fait ailleurs. Monsieur Lajeunesse, je veux vous demander, qu'est-ce que vous aimez le plus de Buckingham? Le Buckingham, moi, j'ai grandi ici. Pour moi, là, c'est ma ville. Je veux dire, tout le monde parle de la ville de Buckingham, puis là, on est dans une grande ville de Gatineau. Je veux dire, pour moi, on n'avait pas le choix de se regrouper, mais ça reste quand même mon patelin. Les chutes, on regarde le développement, là, les pistes cyclables qui restent à développer. Je veux dire, moi, c'est la campagne en ville. Là. Puis, si vous aviez une baguette magique, puis que vous vouliez rendre ça encore mieux, qu'est-ce que vous changeriez en premier à Buckingham? Bien, je serais heureux d'avoir une baguette magique. Oui. Qu'avoir. un Aladdin qui a trois souhaits, parce que des fois. Je pense qu'avec une baguette magique, on pourrait en faire plus. Là. C'est sûr que nos rues, il y a beaucoup de rues qui font dur. Ouais. Cette année, on regarde pour faire la rue McLaren là, de l'intersection. Là, on parle de changer toute la traverse de piétons là, en ciment. C'était une bonne idée, mais malheureusement, avec la température, nos hivers, ça n'a pas duré. Fait qu'on refait ça jusque la traque de chemin de fer sur James. Et baguette magique, bien, ça serait là, l'ensemble de nos rues, les connexions aux services sanitaires, la séparation des tuyaux. Je veux dire, il y en a tellement à faire. L'aménagement du parc McLaren, ça serait super là, d'avoir un chalet de service là, pour salle de bain, puis plus l'exploiter. Les pistes cyclables, là, on a une qui va s'en venir. Maintenant, ça... Ça viendra pas, ça va venir en 2018. Alors, baguette magique, mais ça serait complété. Là, il y a les élections municipales qui vont arriver tranquillement, pas vite, au mois de novembre prochain. Oui. Est-ce que vous avez confirmé que vous vous représentez? Oui, j'ai eu mon investiture avec Action Gatineau le 6 décembre passé. Puis, je compte me représenter. Moi, pour moi, là, il y a beaucoup de choses à changer. Moi, je veux travailler aussi, là, je veux pousser la ville à travailler avec le volet ville intelligente. Oui, ça, c'est important pour vous, l'aspect technologique. Oui, moi, je pense que des fois, ma famille me surnomme Monsieur Gadget. Oui, c'est ça. C'est inspecteur ça. Gadget. Oui, bien, pas inspecteur Gadget, mais j'aime ça maintenir alerte. Oui. Et quand je regarde là, les villes comme Boston, où est-ce qu'il y a le 3-1 sur les téléphones intelligents, moi, je trouve que la problématique là, pour le 3-1, qui est quand même performant, pour la signaler les nids de poules, les gens ne veulent pas appeler. Ils ne veulent pas déranger. Je ne dérangerai pas que la personne au bout du téléphone. Il y a quelqu'un d'autre qui va appeler. Tandis qu'avec le volet intelligent, c'est que là, on pourrait le prendre en photo. Fait qu'on ne dérange pas personne, on le prend en photo. C'est géolocalisé, c'est envoyé. Le service reçoit ça. Puis après ça, ils peuvent compléter les nids de poules. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec la technologie maintenant. Oui, mais puis ça existe. Alors, puis tout a des coûts. Alors, c'est juste d'essayer de démontrer que ben cet investissement-là va nous rendre plus performants. Puis ça va. Là, vous parlez de la chanteuse Stéphanie Saint-Jean. Oui. Qui, cette semaine, lance son tout premier album. Oui. Et puis vous l'aviez encouragé aussi parce que c'est une personnalité d'ici. Alors, oui. Je voulais savoir si vous allez vous acheter son album. Oui, oui, sûrement. Moi, je suis quelqu'un qui écoute la musique. Pas autant que mes alentours ou est-ce que sont des fervents de musique, mais j'apprécie la bonne musique. Puis, je veux dire, on a une fierté dans notre secteur où est-ce que Stéphanie Saint-Jean vient de chez nous. Alors, on l'a encouragé là, à la voix. Là, ma soeur là, au commerce, on l'a encouragé. Je pense que c'est une belle réussite pour le secteur. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a le Lala Bistro, oui. Dont vous faites partie, j'imagine. Oui. Parce que je ne sais pas si parce que vous êtes politicien, vous ne pouvez plus vous impliquer trop au Lala Bistro, mais c'est dans votre famille. Oui, bien, je suis copropriétaire. C'est une institution ici. Merci. Oui. Je suis copropriétaire. C'est sûr que mon occupation du temps est pour desservir les citoyens de Buckingham. Alors, ce qui reste, bien là, j'essaie de m'avancer là, dans la gestion interne, mais c'est surtout
ma sœur Carole là, qui gère d'une main de maître. Et puis là, vous, c'était votre premier mandat au oui. niveau du conseil municipal. La politique, là, c'est-tu aussi exigeant qu'on pense? Oui, c'est très exigeant. Je me rappelle, là, quand on est rentré en poste, là, pas d'expérience. On a beau le voir, là, l'expérience du commerce quand même m'a aidé, mais il fallait apprendre avec un grand V. Là. Y a-t-il des choses que vous n'aimez pas en politique, qui vous agacent? Sans nommer de nom. Non. Oui, oui, il y a des choses qui nous agacent, mais il y a plus de belles choses que... Il y a plus de belles choses, il y a plus de... les changements qu'on peut apporter, les parcs à chiens. Je veux dire, ouais. ça, c'est un beau changement, là. Ça va venir dans 5 à 7 mois. Mais ça, pour moi, c'est que ça fait des beaux changements. La réalisation d'un futur parcours, c'est des beaux changements. Pour moi, moi, je suis choyé, je trouve qu'on a un beau secteur à Buckingham. Dernière question, juste vite. Oui. Aimez-vous les médias? Oui, j'aime les médias. Oui? Oui. Vous aimez ça passer à la télé, à la radio? Oui, puis je veux dire, on se fait poser des bonnes questions puis des belles questions. Bien, écoutez, M. Lajeunesse, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. On va se revoir bientôt ici à l'émission Le Show du Carb. Oui. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Merci. Alors, c'est tout pour notre émission de cette semaine. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des commentaires, suggestions, écrivez-nous. L'adresse, c'est administration@commercial.tvc.qc.ca. Et de mon côté, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une belle fin de semaine malgré la pluie. Bon courage tout le monde. Au revoir.